On raconte que c'est sur l'autel de l'honneur que les guerres se gagnent. D'autres pensent que la victoire requiert stratégie et maîtrise de la puissance. La guerre est un jeu de dupes dont on tire les ficelles dans l'ombre. Seule la force et la puissance brute permettent la domination totale. Mais vous pouvez aussi vous envoyer vaccin et juste vous amuser. Earthstone, Heroes of Warcraft. Et salut à tous les amis, c'est Caron204. Aujourd'hui on se retrouve sur la première partie sur l'aventure de Hearthstone de Karaza. Et je suis pas tout seul, je suis avec mon frangin. Dis coucou. Salut à tous. Alors c'est parti, il va m'aider un peu à faire l'aventure parce que je suis pas très doué en fait sur Hearthstone etc. Et vu que mon frère est un peu plus doué, il va m'aider. C'est parti, on commence. Wow. Je suis Morose, le régisseur de Karazhan, et j'ai besoin de votre aide. Medivh a disparu. Nous avons besoin des portails au sommet de la tour pour les sauver. Lui et la fête. Ouais, elle est pas mal l'image. Pas vrai, Jules, mais pas vrai, elle est pas mal l'image. Ouais, ça se simplifie très bien. Ouais. Allez, hop. On va affronter le premier monstre à affronter, et c'est... Sans Medivh, la tour est hors de contrôle. Velaine d'argenterie du... Attendez... Ouais. Et c'est quoi son effet magique, lui? Il coûte 0 pouvoir héroïque, invoque... Une assiette, un une assiette, c'est du n'importe quoi cette aventure. Allez, go, on commence. Et je vais utiliser mon deck chasseur, le plus fort. Non, mais... Comment vous allez et... Le golem d'argenterie. Ouais, désolé. Attends, c'est marrant. La traque commence. Bon, comme j'allais le dire avant que ça me coupe, dites-moi, en combien de temps vous avez fait pour réussir... si vous avez réussi du premier coup et vous avez fallu plusieurs fois essayer de battre le monstre, quand même. Hop, je vais dire la 4 et la 5. C'est beaucoup trop élevé et je garde là. Ouais, plus ou moins ça, la pioche que je viens d'avoir. La poterie se rassemble. Nous sommes encerclés. Genre, on va se faire bouffer. Allez, hop, j'invoque ça. Hop, on a des gens. Et hop, c'est bon. Mettez la table! Prépare le sol! Allez, le. Mon monstre! Oh mince! Bon, j'ai pas la pièce. Puis, je peux faire que ça pour le moment. Prochain tour, je vais faire direct ma formation. Qu'est-ce que t'en dis toi pour le moment de l'adversaire, il est marrant. C'est spécial. Oh non. Je sens qu'on va pas réussir à le battre du premier coup. Parce que attends, elle a quand même 5 points d'attaque et une assiette en provocation. Oh, plus. Ça va pas être facile. Ah oui, pas faux. Marque un point pour ça. Hop. On sera tous les butés directs. Bah non, j'ai plus. Ils sont tous à un, t'inquiète. Voilà. Ça dégage.
il va faire capoter que ça, ma parole. Je crois que je vais invoquer la provocation, puis je vais détruire celui-là avec le sort. Comme ça, lui, il ne pourra pas le détruire mon monstre du premier coup. Inflige au point de dégâts. Serviteur et une bouchée, une carte. C'est quoi son effet? Les assiettes ont plus 1. D'accord. J'hésite si j'utilise ça, mais ça serait un peu tôt quand même. Parce que juste pour des monstres qui ont 1-1. Il me dirait de faire quoi? Par un peu plus fort quand même, ouais. Sinon les spectateurs vont pas t'entendre. Oui. Mais tu ouais, mets ta provocation pour le moment de toute façon. Ouais. Et j'ai infligé deux points de vie. Non. J'allais dire détruire lui parce que lui elle donne aux assiettes 1. Oui, mais tu t'en fous, de toute façon elles ont pas charge. Ouais, pas faux. Ça fait bizarre s'ils doivent affronter des assiettes, etc. Pas vrai? Une assiette pour vous! Une assiette pour vous! Une assiette pour tout le monde! N'importe quoi! Bon! On fait quoi là? Parce que là, il y a quand même 5 assiettes! Ouais, comme ça pour voir s'il n'y avait pas une carte qui pourrait bien nous servir. Bah, c'est pas mieux, non? Oh, merde. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais penser aussi. On détruit au moins deux monstres. Et on attaque bien ses points de vie, comme ça, il y en a un au moins qui crève, au moins. C'est vrai. Tous ces monstres ont toujours un. Oula, ils essaient ton char. Oula, ça c'est pas bon ça. Ah, je voudrais avoir mon secret là qu'elle donne. Le secret, si vous dites. Eh ben non, c'est pas le secret. Oh! J'invoque ça, à la race de Denis. Et j'invoquerai ça, comme ça, ça lui donne 2-2. Et ça lui donne provocation. Et de plus, je fais ça. Ah mince, oui, mais celui-là, il va l'attaquer lui. Mais l'avantage, c'est que ça donnera pas les charges aux assiettes. Pas vrai? Ouais, c'est ce que j'avais vu qu'il allait faire. Et ouais, et il y en a au moins un qui crève. Donne un 1 à vos assiettes. Oula. Vous pêchez une carte pour... Ah, j'ai pas eu le temps. Combien de petits? Oh non, punaise, c'est quoi ce monstre? Pas vrai? Alors là, j'ai mis la misère. C'est dans la merde, hein. Je suis vraiment plus que dans la merde, punaise. C'est la découverte totale, par contre. Pour moi, je peux pas la faire. Vous voulez quoi? Ah, attends. Si j'attaque lui, au moins ils perdront au moins 1 d'attaque. Et il mourra pas. Je jure que si ça, on pouvait le mettre sur l'ennemi, là on gagne direct. Pas vrai? Ça, c'est marrant. Mais je crois plus qu'il va plus m'attaquer, attends. T'as perdu. Ouais, peut-être un point de chance. Non, c'est une bonne. Bah non, le prochain tour, c'est pas mal. À part si j'ai le secret que je veux.
Putain, plus 5 en armure. Bon, on sait maintenant que c'est un guerrier. Oh non, mais what? C'est quoi cette armée d'assiettes? Oh, vous êtes sérieux, bande de malades? Non, mais c'est ça. De toute façon, je suis mort. La seule chose que je peux faire, c'est au moins réussir à le faire dire un gros. Non, mais ça se dit pas, c'est un truc au hasard. Ah, laissez-moi le sang. De toute manière, je suis morte. Échec pour cette première essai. Bah, mais on sait plus ou moins déjà c'est quoi plus ou moins le deck de notre adversaire. C'est juste que j'aurais bien voulu là mon secret là qui inflige au moins 2 points de dégâts. Attends, ah oui, on gagne quoi? Ah d'accord, on gagne bien que même d'argent qui est plus type de rage d'agonie. D'accord. Allez, et c'est reparti. Je vais jouer sur mon téléphone. Ah, j'ai une idée. Hey, Jules, à la fin, on fera une partie. Tu veux? Bah, à la fin de la vidéo, je ferai une partie contre mon frère. Ça fera un petit bonus. Golem d'argenterie. Danser, c'est marrant. Que la traque commence. Cela, je la garde par contre. La carte ça qu'il nous aurait pas eu. Bon, celle-là, elle dégage. Ouais, pas mal le fond de clocher. Ça, et une provocation. La fratrie se rassemble. Nous sommes encerclés. Oh, attends, alors je te laisse changer la musique, c'est ça. Voyons, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. J'avais ceci. Oh, t'as gagné quoi? Tout à l'heure, j'aurais pas gagné du tout. Je sais, je vais attaquer au moins un coup ses points de vie. Et un coup son assiette. Voilà, ça, c'est fait. C'est dit. C'est n'importe quoi. Bien investi. Sérieusement, c'est du n'importe quoi. Ce que je vais faire, non, la pourquoi que je la garde pour un peu plus tard. On espère que ça tue. Ah. Non, j'aurais voulu que ça tue l'autre. Mmh. Mais tant pis. Il est l'heure de mourir. Oui, ça. Ah, bah, il est terminé. À table. Mais il perd le temps. Comme ça, prochain tour, je me mets. Mais qui est tout chaud? Qui veut mes pourbaignets? Ok. Oh, celle-là, elle est sympathique. Ok, il a en fait que des monstres, soit en rapport avec les assiettes, etc. Ou soit en rapport avec la bouche. C'est logique, c'est vrai. Arrête de dire que des monstres, sinon... Je suis en train de faire autre chose, moi. Ouais. Voyons, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais invoquer ma provocation. Prochain tour, je mets mon secret... Ou pas? Non. Je mettrai mon secret à partir où il mettra la 5. Je sais quand je vais mettre le secret parce que à un moment il met son. C'était quoi? Bah, on va mettre ma charge. Et on va s'en servir pour au moins déjà tuer ça. Ça sera déjà. Mal parti.
fais de la provocation. Et je vais mettre ceci. Parce que quand elle mourra, ça me donnera 2-1. C'est vrai, Jules? Ouais. C'est quand il va la mettre sur sa carte? Bon, c'est bon, je mets en fait le secret maintenant parce que là je suis plus pour cette partie. Donc, ça établit un point de provocation. On ne perdra qu'un seul point de vie, certes. Voilà. Donc, ça c'est bon. Ah ben mince, c'est si mal. Voilà, ça c'est fait. Ah bah merde. Bah. Yeah. Quelque chose qui se dit. Bah ça. J'en ai marre. Je suis vraiment mal parti, moi. Bon, bah, c'est sûr que je meurs, moi, là, encore une fois. Reste qu'un seul PV grand maximum. Oh non. Quoi? Bon bah c'est mort. Bon bah je vais vous faire une île. Bon bah c'est mort là. Bon bah c'est mort là, c'est sûr. Mort. Je suis mort, ça c'est sûr. Bon bah je vais... Bah, comment faire? Tu n'importe quoi. Bon, je vais faire une ellipse jusqu'à ce que j'arrive à le tuer, mais je vous montrerai au moins le coup final. Sur ce, à tous. Alors nous revoilà, je viens, comme je vous l'ai dit dans la première partie avant l'ellipse, que j'allais vous montrer au moins au moment où j'allais l'achever. Et hop. Regarde là. Mais oui, c'est avec ça que je te disais. Et attends. Ouais, c'est bon. Ce que je pensais de faire, oui, c'est bon. Tu vas tâter ton fer. Attends. Attendez, Attends, je suis en train de calculer là. Attends. 14 moins 17, ça va faire combien déjà? Pourquoi tu calcules ça? Quand tu calcules, t'as gagné là, c'est bon. Ouais, pas faux. Attaque. Pas faux, là je gagne, là c'est sûr. Bye bye!
va tâter de mon fer corps. La pêcheuse est terminée. Pas mal. Quelle passe. Bah, désolé pour le bazar. Voyons les cartes que nous avons eues. Ça, c'est une carte pour... ça, c'est une carte pour voleur. Rage Agonie ajoute une arme 3, 2 dans votre main. Oh, pas mal. Et bah, le golem pour le démoniste. Si vous défoncez... Ah, j'arrive pas. Défausser. Défausser ce serviteur invoque... l'invoque. Ah, d'accord, je vais comprendre. C'est par exemple, parfois, il y a des cartes qui détruisent d'autres monstres pour pouvoir avoir invoqué. Et bah, si ça détruit celle-là, on peut l'invoquer, elle s'invoque direct. Pas mal. Le miroir, maintenant, c'est... Mehdi va enchanter ce miroir pour qu'il complimente nos invités. Mais sans lui... Enfin, vous verrez bien. C'est quoi son effet? Vous voyez que passive, chaque fois qu'un serviteur est joué, invoque une copie 1-1. Ah d'accord, si par exemple j'invoque un monstre qui a 5-5, ça va invoquer sa copie, mais version 1-1. Pourquoi pas mal. J'espère que déjà que celui-là va être beaucoup plus facile à battre. Parce que vu comment j'ai galéré, j'ai perdu au moins deux fois. Après que j'ai fait l'ellipse, j'ai perdu deux fois. Ou trois. Deux ou trois fois, ça c'est sûr. Rexar contre le miroir magique. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui... Quoi de neuf? Il nous a créé ça. Bon. C'est écrit Wazard. C'est du n'importe quoi. Bon, c'est de là, je veux dire. Et garde ma deux. C'est du n'importe quoi. C'est ta voiture. Voilà. Au secours. Vous êtes affreux. Ah, d'accord. Vu qu'il n'y a pas mes gifs, ça dit l'inverse. Vu que là, le serviteur, il a dit que ça devrait plutôt nous faire des compliments, mais non, en fait, c'est l'inverse. Maintenant, ça nous fait des insultes. Vous avez ça dans votre deck? Ah, d'accord, ça invoque des deux côtés. Oh, punaise. Ça peut être plus ou moins pratique. Ou pas. Ça doit être un assassin. Ou sa carte, tu l'as mis. J'invoque lui ou lui? Lui, parce qu'il a plus de points. Ok. Attends, wait. Travail terminé. Ça n'a pas marre, mais c'est... Ah, d'accord. Pour le moment, il n'invoque rien. Mais, quoique, c'est peut-être plus ou moins un désavantage, peut-être. Parce que je crois qu'il n'y a que des cartes magiques. Parce que là, il vient d'utiliser une carte magique. Ouais, ouais. Parce que là, il vient d'utiliser une carte magique pour le mage. J'ai un mauvais positif, vraiment, toi. Miroir, pauvre miroir, dis-moi qui est le plus beau. Une phrase. À toi, grand-père. Vous pas prendre pour qui? Ah. Bon, ces deux-là vont vite crever. Non, et pour les chiens, c'est un poil trop tôt. Je sais. Je vais déjà mettre lui à 1. Mais pas trop tôt. Ouais. Et la promotion. Un, ouais. Bah oui, vu qu'après lui, il va toujours sur rouge, il restera un point, pas bête. Voilà. Au moins, comme ça, on m'a mis deux provocations. Infuse propose des dégâts à un serviteur et après, j'ai pas eu le temps.
Oula, lui, il doit vite dégager. Parce que son effet, il est chiant. Ça fait quoi? Aïe, aïe, aïe. Ouh. Le secret, parce que ça va après invoquer là le l'ours comme ça. Et j'invoque ça. Comme ça, ça m'étonne. Et voilà. J'espère que je vais pouvoir réussir à le voter. Le seigneur Nefarius va bientôt arriver. Je redoute sa réaction. Nefarius, plutôt gros Farius, pas vrai? Oui. Vous sentez le pire? Oh non. Enfant de merde. Bon, au moins, ça doit mettre de provocation, c'est ça l'avantage. Ah non. Ah mince. Ça n'a pas suivi l'effet. Bon, bah tant pis. D'après quoi, j'invoque ma camouflage ou j'ai ou je non, les trois. Je vois ça. Ça, ça va être. Mais donc, ah, ouais. En fait, ça fait pas mal. Ouais, bien joué. Et. Il peut encore attaquer. Ah oui, lui. Avec peut-être un peu de chance, ça va attaquer lui direct. Eh ben. Mais au moins. Voilà, comme ça, il a pas beaucoup. Il a plus rien. Enfant de merde. Encore. Oh, bon bah j'ai peut-être parlé un peu vite. C'est là je regarde juste pour que tu rentres après. Je vais mettre ça ma camouflage. J'attaque ou je garde ma provocation? Garde, je vais remettre ce que tu dis. Ouais. Oh non, c'est de la conflite là-dessus. Concentrez-vous. Celle-là, il faudra vite que je la tue parce qu'elle est chiante, son effet. Oh, parfait. Ça vient de me donner une idée parfaite de faire ça. Et j'invoque ça. Nous ça, qu'est-ce que je pourrais bien tout faire? Ah, le hic, c'est que si j'utilise lui, je ne pourrais pas le tuer, elle en prend. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Dégage! Au moins, il a pas de provocation. Et je vais détruire ta... celle-là, au moins. Parce que vu que je vais faire en douce, ça sera déjà ça. Et tu me conseilles de faire quoi? Autant c'est pour lui. Yep. Le prochain tour, j'utiliserai. Êtes-vous prêt pour ça? Êtes-vous prêt pour ça? Oh, cool, nickel. Parfait. Elle tombe bien la provocation. C'est vrai. Ce que je vais faire d'abord, c'est. Donc il y a la furie du vent. Et puis, tac. Oh merde, je suis trop calme. Je vais le remarquer aussi. Ah merde. Tu as tort à gagner. T'as la pile pour la seconde gagner. Je suis trop calme. Bon bah tant pis, j'espère que je vais tenir le coup. Pas vrai? Bon bah déjà, j'ai... Ah bah j'ai une idée. Déjà lui il va dégager. Voilà. C'est déjà ça. Je suis un maître en magie. Vous avez froid.
L'escalier qui mène à l'opéra se trouve un peu plus loin. Ouais, on a réussi à le battre du premier coup. Regarde, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne Amonamali Arcanique. Chaque fois que vous lancez un sort, donne un PV à ce serviteur. Ça peut être pratique. Cri de guerre invoque une araignée 1-3. Ah, oh, j'aime pas que ça mette un point de temps. Ah, voilà. Yeah. Le dernier truc, j'appuie pas tout de suite, je veux juste voir c'est quoi les cartes que je gagne. Cavalier en ivoire, fil de guerre et découvre. Un sort rend un montant de PV équivalent à son sort à votre héros. Oh, ça peut être pratique. Invoque un pion 1-1 avec provocation pour chaque serviteur adverse. Oh, ça peut être pratique ça. Mais c'est parti. Mehdi va encore laisser traîner le jeu d'échecs. Ça risque de se compliquer. Hein? Comment ça? Attends, quoi ça? Ça veut dire qu'on va sans doute avoir un tout autre deck et un autre tout autre personnage. Ça c'est sûr, parce que si on peut pas choisir, c'est sûr que c'est ça. Le roi blanc contre le roi noir. On ne passe pas. Regarde. Ça a été un... J'ai trouvé que sa phrase était un peu raciste en disant comme ça, le roi noir, pas toi. Bon, voyons. Oula, 7, 4, 4. La reine blanche attaque automatiquement, inflige 4 points de dégâts aux adversaires en face de ce serviteur. Cherche, ne peut pas attaquer le héros. Bon, bah, je les remplace toutes vu qu'elles sont trop hautes. Et en plus, on a un tout autre de cartes. Ah oui, mince. J'ai pas vu combien. Et les pièces attaqueront automatiquement à la fin de votre tour. D'accord. Voyons, c'est quoi notre pouvoir héroïque? Découvre une pièce d'échiquier. Et c'est quoi son héros, son pouvoir? Détruire le serviteur adverse le plus à gauche. Ok. Attaque automatique, ouais. Et en passant, travail terminé. Ainsi. Pardon, j'ai eu un ok là d'un coup. Hein? D'accord. Et en passant. Et en passant. Tac. Et si une pièce se trouve entre deux ennemis, elle les attaquera tous les deux. Attends, voyons, c'est quoi l'effet de la tour? Par contre, l'effet de la tour, c'est un fiche de points de dégâts aux adversaires en face du serviteur. Et pour le fou. Ah, d'accord, ça peut pas tout ça. Et en passant, travail terminé. Yep. Prise au passant. Prise au passant. Putain, il nous a invoqué masse, puis on l'a. D'accord. Bien positionner ces pièces est la clé de la victoire. Profitez de ces attaques doubles. C'est-à-dire attends. Puis je peux noter le cas aux adversaires en face de ce serviteur. Terminé. Voilà. Oh, oh, pas mal. Dément. Ça va du tout, ça. Ah non, le cheval. Ne peut pas attaquer le héros. Je vais la mettre là. Voilà. Mieux. Prise au passant.
je suis en train de perdre. Oh cool, elle peut attaquer direct, d'accord. Qui je vais attaquer? Vaut mieux le prêtre, enfin, le plus, parce que... Voilà. Comme ça, il mourra. Allez. S'impatiente à l'extérieur. Nous sommes presque à l'opéra, mais nous devons nous dépêcher. J'ai une idée. Super, je vais au moins soigner avec ça mon cheval. Et je vais... mettre ça là. Et ben, ça. Comme ça, j'en ai déjà beaucoup. Il est mort. Pas facile du tout, hein. Mais j'aime bien le principe. J'aime bien le principe de ce boss, pas toi, Jules? Sympa, ça change. Ça change, c'est plutôt sympa. Bon, 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 bon. On va faire ça. Oh, la reine. Attaque automatiquement. Affiche 4 points de dégâts, vous avez un tour de face. Cool. Bon, on va prendre la reine. Et je la recrée au prochain tour. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, j'ai une idée. Comme ça, c'est déjà comme ça. Prise au passant. Aïe, mon cheval. Bon, 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 bon. Je vais mettre ma reine là. C'est une batte. Je vais mettre ça là. Comme ça, le prêtre ne me fera pas détruire. Et ça fait un montre en moins. Prise au passant. Prêtre là, moi. Ah, j'ai pas de prêtre. Tant pis. Oh, mais quoi que ça peut être utile. Je vais mettre ça là. Échec mat. Je vais mettre ça là. Et en passant. Et voilà.
Ah bah moi aussi j'étais prêt. Voilà, et comme ça, je vais au moins détruire une... Je suis plutôt bien parti pour gagner, moi. Yes. Je suis bien parti. Ouais. Aïe. 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 Cool, une deuxième run. Encore une fois, ouais, je vais la mettre là, et je vais me prendre une autre carte. Je vais me prendre un cavalier cette fois-ci, comme ça sera beaucoup mieux. Yes, comme ça il a plus de bourre. Prise en passant. Ouais, je gagne là, c'est sûr. Je demande maintenant que j'ai un prêt au brave gars si je gagne. Et j'ai gagné du premier coup. Le premier coup, il y a juste le premier monstre qui était chez Luch. À ce rythme, nous atteindrons le sommet de la tour à temps pour sauver la fête. Les médives dans tout ça, tu l'oublies quand même. Regarde, fais le garde pour mon sort. Hein. Ouais. Ça fatigue ce boss. Ah, ça met un peu de temps. Bon, voyons qu'est-ce que nous gagnons. Le salon est terminé. Voyons. Forge Arcane. Cri de guerre invoque un serviteur 05 avec provocation. Oh, il t'accroche à toi. Vos secrets coûtent 0. Oh, ça peut être pratique, ça paraît juste. Ah, la fameuse légendaire. C'était là que tu avais dit, camouflage. La fin de votre tour invoque un serviteur 1-1. Ah oui, et les défis, ça. Excellent. L'opéra se trouve juste en haut de cet escalier. Je suis sûr que Barnes nous laissera passer sans faire d'histoire. Je crois pas. Ah, je vais faire une ellipse jusqu'à ce que mon frère il est terminé et qu'on fasse une petite partie ensemble, comme ça. Ça fera un petit bonus pour la fin de la vidéo. Sur ce, à tout de suite. Vous êtes mal. Run, voilà. C'est bon, j'ai défié mon frère, il a terminé sa partie parce qu'il jouait un peu de son côté en attendant que je termine l'aventure. Allez, hop. Moi, je vais choisir quoi? Moi, c'est mon nouveau deck, moi, je sais même pas ce qu'il veut encore. Ah, t'as créé un nouveau deck? Ah bah, ça va encore... être découvert pour moi aussi. J'ai pas encore joué dessus. Rexar contre Jaina. Vous l'avez cherché. Je l'attraque, commence. Voyons. Ouais, c'est moi qui compte la pointe. Bonjour. Bien le bonjour. Ma magie va vous mettre en pièces. Je vous traiterai. Voilà. Merci. Un tir, un mort. Prêt à l'action. Ah, j'ai un décalage, moi. No.
Voyons. Ah, j'aurais préféré la provocation ou au moins la charge. La fois, c'était bien. Un ami pour jouer avec moi pour jouer un peu avec moi. Voici mon truc. Je laisse pendant 2 secondes vite fait pour que vous ayez au moins le top par pause. Voilà. Donc voilà, je vide. Voilà. D'une bénédiction. Nous devons purifier le puits de soleil. Ça fait quoi son effet? À la fin de votre tour, de 1 à chaque sanitaire, on dit allez, bon, d'accord. Ça va pas être facile, mais maintenant. Ouais, je vais chercher. Yes.
Désolé. Et voilà. Ton deck. Et voilà. Pas de panique, mon chou, la carrière est arrivée. J'aurais pu gagner s'il avait pas mis sa provoque. Ah bah non, il va gagner, ça c'est sûr, à part si je tombe sur le cas. Yes. Ça me protégera un point, pour votre vie. Mais je perds, ça c'est sûr, dans tous les cas je perds, pas vrai? Donnez-moi une quête. J'ai deux ennemis. Hatch. Bon bah. C'est quand même un beau match parce que c'était serré le match. Tu vas serré? Bah on avait... on va repartir pour... tester un autre deck. Pour que mon frère teste un autre deck et après là on terminera réellement la vidéo parce que je sais pas combien elle a duré la vidéo sinon... Et hop, moi c'est bon, moi je garde le même deck. Parce que mon deck chasseur c'est mon meilleur.
Bon, je vais essayer. Ah, c'est bon. C'est corruption, les gars. Recharge contre Anduin. La lumière nous apportera la victoire. Que la traque commence. Ouais, c'est bon. Je suis tout à fait. La lumière vous brûlera. Je vous traquerai. Merci. Ah, ça c'est sûr. J'ai eu un tirage de merde. Yep. C'est sûr, là je crois que je vais aussi te massacrer, non? Donnez-moi une quête! À part si d'un coup tu tombes sur une bonne carte. Non, je préfère faire un autre version à cette carte. C'est la carte qui permet d'utiliser deux fois le pouvoir héroïque. C'est vrai que c'est pratique cette carte. Là je te masse. J'ai une trop mauvaise pioche, je peux pas gagner en même temps. Ça c'est vrai, il y a toujours une chance sur 1000 que tu peux gagner un match perdu d'avance. Parce que mon frère qui est là m'a appris un principe, c'est toujours éliminer en fait les monstres de son adversaire au plus vite. Il paraît que vous avez un problème. Oula, comme mon flash.
image, ça veut presque tout ça. Je te massacre. Mais... Papa, c'est sûr, là, prochain tour, là, je gagne. Il a pas un sort, là, ou un truc dans le genre qui permet de gagner. Sinon, je gagne, c'est sûr. C'est bon, je vais gagner, c'est sûr. On perd de 2, 2, 6, à un serviteur, victoire, un serviteur. Ouais. Mais... Bien joué. Merci. Enfin bref. Allez, moi, je vais la refaire, j'ai vraiment une cage trop pourrie. J'avais, des, j'avais 4, 6 et 7 de fondée. C'est de la merde, je peux rien jouer. Là, je vais la refaire, ça va rien, on est parfait. C'est vraiment, vraiment parfait. Ouais. Bon, bah, pour son plaisir, pour le faire plaisir, vu qu'il a eu une pioche de merde totale, qu'il vient de me dire, on va en faire une dernière. Mais vraiment, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière, et après, on se termine vraiment la partie. Parce que limite, je crois que la vidéo, elle a duré presque, quoi, presque une heure, avec les trois matchs en plus qu'on vient de, qu'on va faire, et qu'on est en train de faire. Pas vrai? Rexar contre Anduin! La lumière nous apportera la victoire. Que la traque commence. Ah non, mais what? Je viens de tirer la meilleure pioche là. Mais pas moi encore une fois, je sais pas ce que j'ai avec les pioches, là, mais ça va pas du tout. Good. Oh non. Toi, dégage parce que t'as trop poigné bien à mon goût. Voilà. Putain, le même. Ah, d'accord. Il est plus grand. Le vite qu'elle dégage. Vous voulez quoi? Ici. Ah, yes. Je crois que t'as eu encore une mauvaise pioche, non? Mais surtout, t'as de la chatte extrême et t'as pile les bonnes cartes quand il faut. Je sais pas pourquoi, je te jure. J'ai de la chance, j'ai de la chance. Aïe! Bon, ce coup-là, non, j'ai pas eu de la chance. Thank you.
Au nom de la lumière. Quelqu'un est blessé. Tu vois, là, t'as ajouté 3000 monstres, là. Tu vois là, t'as encore une chance de gagner, mais moi j'ai plus de cartes. Bon bah là c'est sûr que tu gagnes, là tu me massacres. Bah tu vois, t'as gagné, je t'ai pas laissé. J'ai tout fait pour essayer de gagner. Et bah vous voyez les amis. Là c'est juste que là au début il a pas eu beaucoup de chance, mais après il a eu de la chance. Mais enfin bref, c'est là-dessus que nous allons nous terminer cette vidéo. Attends, je vais couper un peu, voilà. Désolé. Sinon c'est sur ce qu'on va terminer notre vidéo. Sur dis au revoir. Ciao ciao, au revoir tout le monde. Sur ce, sinon n'oubliez pas un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner et de me suivre sur Twitter. Sur ce, Diana.